Salut les amis, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming. Si vous voulez acheter des jeux jusqu'à moins 80%, c'est sur le site Instant Gaming, le lien dans la description. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et on va parler de la carte de Eder Militao 87 et Militao 90. Donc il a double 2. C'est pas fameux ça, bon le geste technique on s'en fout, mais par rapport au mauvais pied, il a l'élevé en défense, après c'est une carte cheatée on le sait, donc même si je dis c'est pas fameux, voilà, dommage qu'il a pas un 3 ou 4 en mauvais pied. Il a 82 d'accélération, 85 de vitesse, c'est très bon, l'agilité ça suit, ça va, c'est dans les 70, il a la réactivité, il a du calme, l'interception, tacle debout. Il a l'endurance, l'agressivité, la force, il a tout. Et c'est une carte qui coûte actuellement 284 000 crédits. Moi, je vous conseille de ne pas faire cette carte. Passez à la 86 qui est aux alentours de 220 000 crédits. Il prend que un up. Et en plus de ça, c'est de l'invendable. Et en sachant que, à mon avis, la 86 va continuer à baisser. Donc, attendez de voir le prix du... Si vous n'avez pas les sous pour le 90 et que vous voulez la 87, attendez de voir à combien le prix de la carte 86 baisse. Et juste pour un up, je pense que c'est mieux d'attendre et prendre la 86. Je ne vous conseille pas de faire cette carte, pas par rapport qu'elle est mauvaise, parce qu'il a une bonne carte, mais juste par rapport qu'il y a la 86, juste pour un up, je trouve que c'est inutile. Après, ça reste mon avis. Maintenant, on va parler de Eder Militao 90. Donc, Eder Militao 90, rien à voir avec la 87. Hein. Vous voyez de vous-même, accélération 88, vitesse 91, il a l'agilité, l'équilibre c'est encore mieux, réactivité, conduite de balle, le calme... Interception, tacle debout, lucidité défensive, agressivité, force, endurance, voilà. Bon, il a une grosse carte, voilà. Quand vous voyez que David Luiz coûtait son prix-là à Eder Militao, et David Luiz, sur certaines stats, il se fait bouffer par Eder Militao. Mais après, bon, David Luiz, c'est très bien aussi. Mais c'est juste pour vous dire que c'est une carte qui coûte 540 000 crédits. Pour moi, elle paraît pas si chère que ça. Après, il y a les TOTS qui vont sortir encore. Donc moi je vous conseille de la faire, cette carte. Même la 87, la carte en elle-même sont très belles, mais c'est par rapport au prix. Prendre Militao 90, imaginez si dans un championnat reculé, ils sortent un Brésilien qui est ultra cheaté, mais qui coûtera moins cher parce que c'est pas un grand nom. Peut-être vous regretterez d'avoir fait Militao. Donc moi, je vais pas vous dire de pas faire Militao. Militao, il va rester. Donc, attendez de voir ce qui va sortir avant de faire Militao 90. Et si vous faites Militao 90, essayez de faire baisser son prix aux alentours des 350K. Parce que lâcher 500K en pleine TOTS, voilà, faut qu'il vous reste des crédits, les amis. Si vous avez des invendables, pourquoi pas? Mais pas de suite. Attendez voir ce qu'il va avoir par la suite dans les TOTS. C'était mon avis. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.